Bonsoir à tous, je m'appelle Richard de Gênes et ce soir je vais vous parler donc de langage ésotérique. Alors, petit rappel orthographique parce que j'ai vu la faute dans l'intro tout à l'heure. Langage en français c'est sans U, mais en anglais c'est avec un U, c'est language. Mais c'est une faute qui est facile à faire. Donc le sommaire, ça va être vite vu. On va commencer par quelques définitions pour se mettre tous d'accord sur ce que ça veut dire qu'un langage ésotérique. Et puis ensuite, je vous ai fait une petite sélection de langages plutôt sympas. J'en ai prévu 5. On va voir si on a le temps de, on va voir si on a le temps de tous les faire. Donc définition, langage de programmation. Donc ça c'est Wikipédia, hein, je n'ai pas été chercher très loin. Notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. Donc ça a le mérite d'être extrêmement clair comme définition. Ça fonctionne pour tous les langages que vous connaissez, vous et moi, mais c'est aussi extrêmement vague. Et c'est là-dessus que beaucoup de gens aiment bien jouer. Donc c'est juste en fait quelque chose qui dit à l'ordinateur quoi faire. Ça s'arrête là. À côté de ça, on a l'ésotérisme, donc c'est une notion qui nous vient de la philosophie. C'est un ensemble d'enseignements secrets réservés à des initiés. Et Wikipédia note en dessous, ce terme est parfois utilisé dans la culture populaire pour parler de courants de pensée marginaux à composantes secrètes ou étranges. Donc vous avez plus ou moins compris l'idée. Si on remet les deux ensemble et qu'on compare ça à des langages de programmation traditionnels, donc des langages traditionnels, eux, vont surtout chercher à être expressifs, puissants, simples, performants, en gros, être utiles. Et à côté de ça, les langages ésotériques vont se démarquer par leur originalité, parfois leur difficulté, ou des fois complètement, ils sont juste simplement complètement absurdes. Leur intérêt principal, c'est de jouer avec la définition, de proposer parfois des défis intellectuels, ou tout simplement d'être drôle. Voilà, j'ai noté faire des blagues entre barbus. Parce qu'en fait, entre informaticiens, on a notre culture, elle est riche, et donc on aime bien jouer avec, et tout ça c'est super intéressant. Juste avant qu'on commence notre petit tour d'horizon, deux petits sites qui sont très très sympas que je vous recommande d'aller voir, même si ça vous intéresse pas. Esolangs.org, qui est le Wikipédia des langages ésotériques, parce que mine de rien, il y en a une sacrée flopée. C'est vachement plus facile de faire un langage qui fait n'importe quoi qu'un langage qui fait vraiment quelque chose, donc il y en a beaucoup plus. Et à côté de ça, CodeGolf.stackExchange, donc c'est un stack exchange qui regroupe plein de défis de programmation en tout genre, entre autres du CodeGolf. Donc vous y verrez plein de petits bouts de code dans différents langages, parfois très classiques et parfois pas du tout classiques. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors on va commencer par probablement le plus célèbre de tous. Oui, vous l'avez reconnu, c'est bien lui. Le brainfuck. Alors le nom pour les non-anglicistes. Voilà, c'est tout simplement un langage qui fait des trucs pas très catholiques avec votre matière grise. Donc comment ça fonctionne, Brainfuck? En fait, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ce que vous avez, c'est juste une bande de mémoire qui sont toutes initialisées à zéro, et un pointeur qui indique d'abord la première variable, celle la plus à gauche de la bande. Et vous avez un jeu de 8 instructions qui sont toutes symbolisées par des symboles de ponctuation, qui vous permettent de déplacer le pointeur vers la droite, vers la gauche, d'incrémenter ou de décrémenter la valeur sur la case courante, de faire des entrées-sorties et des boucles avec des conditions pour que ce soit le plus complet possible. Donc c'est Turing complet, hein, c'est un sujet qui revient souvent, la Turing complétude des langages. Et en fait, l'origine du brainfuck, c'est tout simplement un type qui voulait écrire le langage Turing complet avec le compilateur le plus léger possible. Et il a réussi en 1993 sur Amiga à l'époque à écrire un compilateur qui tenait en 240 octets. Voilà. Là, c'est un Hello World. Là que vous avez à droite, il fait 187 octets, je crois. Donc le compilateur pour ça est à peine plus grand que le code lui-même. Il n'y a pas beaucoup de langages qui peuvent s'en vanter. La suite. Ah, bah j'ai mes slides qui ont sauté. C'est con, je voulais vous montrer juste le snippet de code. Whitespace, l'origine de ce langage est un peu plus humoristique. Sur le site
Sur le site du langage, le type expliquait que bah, dans tous les langages de programmation modernes, les caractères non imprimables servaient à rien, ils étaient complètement ignorés et que c'était pas juste. Et du coup, il s'est lancé dans un langage où les seuls caractères qui sont signifiants sont l'espace, la tabulation et le retour chariot. Donc ça en fait un truc, ça en fait un langage très sympa pour le planquer dans un autre code. Par exemple, vous pouvez le mettre dans un fichier HTML, tous les whitespaces sont ignorés par le parseur HTML de votre navigateur, et vous pouvez lancer le fichier HTML dans un interpréteur whitespace et avoir ben, complètement autre chose. Donc comment ça marche? Vous avez ben, un espace mémoire classique et un registre qui est sous forme de pile. Et en fait les instructions, donc il y en a plus, hein, là je vous les ai pas toutes listées, mais elles sont regroupées par catégorie. Si votre instruction commence par une espace, ben, c'est des opérations de manipulation de la pile. Par tab espace, c'est des opérations arithmétiques. Et quand vous avez en fait une fonction qui a besoin d'un nombre, d'un argument, vous représentez vos nombres en binaire à coup d'espace pour 0 et de tabulation pour 1. Et vous faites entrer quand vous avez terminé, et puis voilà. La suite. Alors celui-là, il est peut-être un peu moins connu. Je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez reconnu celui-là. Non, personne? Ok, donc c'est Bifunge, apparu en 93 avec une nouvelle spécification en 98. Là, la fonction que vous avez, c'est une fonction factorielle. Qui prend un nombre en entrée et qui en calcule la factorielle. Et alors, ce qui est très intéressant avec celui-ci, c'est qu'en fait, le code source n'est plus du texte, mais une matrice de caractères, un tableau à deux dimensions. Vous avez un pointeur d'instruction qui commence en haut à gauche, qui va initialement vers la droite, mais vous avez des instructions comme ici le V, qui disent au pointeur d'instruction d'aller ensuite vers le bas. Et donc vous naviguez dans votre code, vous naviguez dans votre code à deux dimensions. Et par exemple, ici cet underscore, c'est une condition. Si la valeur au sommet de la pile est 0, ça part à droite, sinon ça revient à gauche. Donc là ici, ça c'est un caractère pour remonter vers le haut. Donc vous avez une première boucle. Et une fois que ça vient à 0, ça part à droite. Et ici, vous avez une autre boucle. Donc la manière dont fonctionne ce programme, c'est qu'ici, ça c'est la lecture sur l'entrée standard qui prend le nombre. Ici, ça empile. Tous les nombres de 10, par exemple, si on va de 10 à 0, il va empiler 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il va passer dans un deuxième bout qui calcule la multiplication et qui sort. Donc je vous laisse deviner ce que fait ce programme-là maintenant. C'est quasi graphiquement une boucle infinie. Donc le but de ce langage, lui, donc au-delà de l'originalité de la représentation du code source, c'était de proposer le langage le plus compliqué à compiler possible. Parce qu'autant à interpréter, ça va, vous faites du step by step et on s'en sort. Autant à compiler, chaque instruction peut potentiellement être exécutée dans quatre contextes différents, en fonction que vous arrivez dessus, par le haut, par la gauche, par la droite ou par le bas. Et en plus de ça, le code est automodifiant. Vous avez une commande P qui dépile trois valeurs et qui va remplacer le caractère aux coordonnées XY par V, enfin par le troisième argument. Donc à compiler, c'est une petite horreur. Mais alors les gens y sont parvenus. Et si la théorie des langages vous intéresse, les compilateurs de Bifunge sont très très sympas, il y a des trucs très très jolis à voir. Et donc cette technique, elle est devenue très très populaire. Vous avez énormément de langages deux dimensionnels, mais parfois plus, ou un dimensionnel, hein, qui fonctionne pareil, mais qui se déplace sur une ligne. Et notamment du brainfuck dimensionnel, où bon bah voilà, on mélange tout et puis on est parti. La suite. Est-ce que quelqu'un le connaît celui-ci? Il s'agit de Piette, inspiré du peintre Piette Mondrian. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'est très chouette. Et donc là, pour le coup, bah, le code source n'est plus du texte du tout. C'est en fait un fichier. Le code source est une image. Donc là, évidemment, c'est agrandi, hein, mais idéalement, le mieux, c'est d'avoir une couleur, pardon, un pixel par pixel, en fait, l'image toute petite.
Et donc, comment fonctionne ce langage? Vous avez 20 couleurs qui sont considérées par les interpréteurs. Donc, il y a un cycle avec 6 niveaux de teinte. Ça commence sur le rouge. Je l'ai plus là, si je l'ai là. Donc, en fait, ça fait rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, et ensuite ça revient au rouge. Et vous avez 3 niveaux de luminosité: clair, neutre, foncé, puis ça revient à clair. Et le noir et le blanc qui sont des couleurs un peu spéciales qui font des choses particulières. Et donc pareil, vous avez un interpréteur qui se positionne en haut à gauche de l'image et puis qui commence à lire les couleurs. Les représentations numériques, en fait, ce sont le nombre de pixels de la même couleur qui sont collés les uns aux autres. Et les instructions, ce ne sont pas les couleurs comme on pourrait le croire, mais les transitions. C'est-à-dire que quand le pointeur passe d'une couleur à une autre, c'est le changement. Alors je dois l'avoir là. Voilà, c'est le changement de la première zone vers la deuxième zone qui donne l'instruction qui va être exécutée. Par exemple, si on part là, on parle du jaune pâle et on arrive dans le jaune normal, c'est une teinte plus sombre, mais c'est la même couleur, donc ça va pousser le nombre de pixels jaune clair sur le haut de la stack. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va pousser 10 sur le haut de la stack. Ce que fait ce programme-là, c'est il affiche les 100 premiers nombres de Fibonacci, de la suite de Fibonacci. Et dans l'idée, en fait, il pousse 2 fois 10 sur la stack, il fait une multiplication, ça fait 100. Là, il initialise quelques petits trucs, et là, vous avez une boucle où ça tourne comme ça en rond. Et ici, une condition qui vérifie 0, et ça sort une fois que c'est terminé. Alors, l'avantage, c'est que ce mécanisme, ça laisse beaucoup de liberté aux développeurs. Et vous pouvez avoir des trucs très très jolis. Donc là en haut, vous avez une petite variation de différents Hello World qui sont plutôt jolis. Et en dessous, des programmes que je trouve vraiment vraiment très très cool. Le premier, c'est une approximation de pi qui est basée littéralement sur un cercle. Alors on ne le voit pas très bien, mais là ici, vous avez une grande ligne qui est en fait le rayon du cercle. Et donc du coup, le programme pousse ces deux valeurs-là sur la pile, et puis divise l'un par le carré de l'autre et fait une approximation de pi. Et plus le cercle est grand, plus vous allez avoir une approximation précise. Le deuxième au milieu, bah, un interpréteur brainfuck. On a dit que c'était facile à interpréter, donc pas de problème. C'est parti. Plus on est de fous, plus on rit. Et enfin, un moteur pour le jeu de la vie de Conway. Celui-là est assez sympa parce qu'en fait, chaque bloc remplit une certaine fonction. Il y a des. Et ils échangent en communiquant à travers les bandes blanches. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes 30. Le boss de fin. Alors celui-ci. Donc là, le programme que vous avez, c'est un Hello World. Le problème, c'est que ce langage est tellement compliqué que ce programme n'a pas été écrit par un humain. Et en gros, ils ont brute forcé avec une recherche par faisceau en Lisp pour trouver le programme qui faisait ça. Donc, ce langage s'appelle le Malbolge. Le nom vient du huitième cercle de l'enfer de Dante. C'est aussi le sixième cercle de l'enfer dans Donjons et Dragons. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le langage qui est conçu pour être le plus inutilisable possible, le plus tordu possible. Et la liste est longue. Donc la mémoire est sous forme de bande, sauf qu'en fait le code et les données sont dans le même espace, sont chargés au même endroit. Plutôt que d'utiliser des octets, hein, des mots de 8 bits, le langage travaille avec des mots de 10 trits, donc des valeurs qui peuvent prendre 0, 1 ou 2. Voilà. Et donc en plus de la mémoire, vous avez trois registres, un pointeur de code, un pointeur de données et un accumulateur. Quand vous voulez exécuter une opération, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur du registre C plus la valeur pointée par le registre C. Merci Pascal pour nous avoir parlé de pointeur tout à l'heure. Et vous faites le tout modulo 94. Voilà. Et si vous avez comme résultat 4, 5, 23, 39, 40, 62, 68 ou 81, bravo, vous avez une instruction qui s'exécute. Alors je vous rassure tout de suite, hein, les instructions, ce n'est pas une addition, une soustraction et une division. Notamment en 62, vous avez ce qui s'appelle la crazy operation. C'est comme un opérateur logique bit à bit, sauf qu'il fonctionne trit à trit et qu'il n'est pas logique du tout. Voilà. Et une fois que l'instruction s'est exécutée, si la valeur comprise, enfin si la valeur pointée par C est comprise entre 33 et 126, elle est transformée, voilà, selon la table de correspondance que je vous ai mis en dessous, qui n'a pas le moindre sens.
Et ensuite, les pointeurs C et D sont incrémentés, pas de 1 parce que ce serait trop simple, mais de 3 puissance 10. Voilà. Il y a apparemment des techniques pour s'en sortir à peu près, mais je vous avouerai que c'est pas que voilà, vaut mieux pas s'y frotter à celui-là. Voilà, donc encore une fois, allez voir Resolangs, il y a des bonnes tranches de rigolade à se faire. Et Code Golf, il y a des trucs pareils, très 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 sympas à voir. Voilà, j'ai fait le tour. Merci pour votre attention. Alors, figure-toi que j'en sais rien du tout. J'ai vu sur Code Golf certaines pages qui étaient dédiées à des tips ou des astuces pour certains langages. Notamment, il y a des langages de golf spécialisés dans le golf où il y a des trucs à savoir pour coder plus court, quoi. Oui, bah alors j'ai pas dit, mais le code golf, en fait, c'est pour un problème donné, essayer d'écrire le programme le plus court possible. Et donc, bien évidemment, il y a des langages qui se sont spécialisés là-dedans, notamment le Hello World le plus court du monde en 0 octets, puisque la spécification du langage dit que si le fichier est vide, il affiche Hello World. Donc, voilà. Isolang, oui. Bah oui, ben Perl, il y a moyen quand même d'écrire des sacrés barbarismes avec.